Chouette de la philo, chouette de la philo, chouette, chouette de la philo, chouette, chouette, chouette de la philo, chouette de la philo, chouette de la philo, chouette de la philo, de la philo, chouette 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 de la philo, chouette, chouette de la philo. Un rendez-vous mensuel proposé par Sylvain Portier. Dans le langage courant, être cartésien, c'est être logique, rigoureux, ne croire qu'en ce qui est rationnel. Mais comment se fait-il alors que Descartes, l'un des plus grands représentants du rationalisme, envisage des choses aussi folles que le fait qu'il ne soit peut-être pas assis auprès du feu qu'il voit à côté de lui? Que 2 et 2 auraient pu ne pas faire 4? Que l'on peut démontrer que Dieu existe, que nous n'avons peut-être pas réellement de corps. C'est ce que Sylvain va tenter de nous expliquer. René Descartes est né en 1596 et mort en 1650. Il était un scientifique et un philosophe français de la Renaissance qui commença par étudier au prestigieux collège jésuite de La Flèche. En tant que scientifique, il fut l'un des premiers à travailler sur les équations de droite et inventa le plan orthonormé que l'on appelait alors le repère cartésien. Il communiqua avec de nombreux intellectuels et personnages célèbres, dont la princesse de Suède, tous deux s'affectionnant particulièrement. Il se consacra à l'optique, à l'anatomie humaine, se questionna notamment sur le fonctionnement du cerveau et s'intéressa également à l'astronomie. Il apprit la condamnation de Galilée en 1633, qui affirmait à la suite de Copernic que la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse. Prudent, il décida donc de ne pas publier ses propres travaux qui confirmaient l'exactitude du modèle héliocentrique. Ne pouvant résumer l'ensemble de son œuvre, nous intéresserons ici à l'une des plus célèbres qui traite du doute et de la vérité, ce dont on peut raisonnablement douter et ce qui peut être tenu pour certain. Ce livre, ce sont les Méditations métaphysiques. Une méditation est une réflexion approfondie, sérieuse et solitaire. C'est d'ailleurs pourquoi ce livre a été écrit à la première personne du singulier. Mais il ne s'agit pas d'un « je » autobiographique. C'est un jeu universel, puisque n'importe quel lecteur, quelle que soit sa culture, ses opinions, etc., doit pouvoir s'identifier à ce « je ». Quant à l'adjectif métaphysique, il désigne ce qui va au-delà, méta, du monde visible, physis. C'est une discipline qui prétend répondre à des grandes questions qui dépassent les limites des sciences physiques. Descartes y part d'un constat que chacun a pu faire sur lui-même. Certaines de nos opinions changent au cours du temps, d'autres pas. Mais alors, qu'est-ce qui me prouve que les opinions que j'ai aujourd'hui ont plus de valeur que celles que j'avais hier? En effet, l'intensité d'une conviction ne prouve pas sa vérité. On peut être intimement persuadé de quelque chose de totalement faux, comme par exemple les enfants qui croient au Père Noël, ou les adultes qui, pendant tout un temps, ont cru que la Terre était plate ou qu'elle était au centre de l'univers. Le but de Descartes est donc de déterminer si certaines de nos croyances sont bel et bien certaines, et si oui, lesquelles. Mais quelle méthode utiliser pour déconstruire toutes ces certitudes? D'autant que nous avons une infinité de certitudes. Il faut donc commencer par les répartir en un nombre limité de catégories. Ce qui vient de la perception, ce qui vient des sciences, ce qui vient de la religion, ce qui vient des mathématiques, etc. Puis, c'est là qu'intervient le philosophe, on doit faire comme si ce qui est incertain est forcément faux. Je m'explique. Dans la réponse à la septième objection, qui est faite aux méditations métaphysiques, Descartes utilise une métaphore avec des pommes. Si ma connaissance était un panier à pommes, la démarche du doute cartésien, que l'on appelle aussi le doute hyperbolique ou le doute radical, consisterait à renverser entièrement toutes les pommes, autrement dit toutes nos croyances, puis à inspecter catégorie par catégorie chacune de ces pommes. Si une pomme est pourrie, que ce soit entièrement ou même un tout petit peu, on la jette. Mais si on ne peut pas être certain qu'elle soit pourrie, disons qu'on ne peut pas voir parce que quelque chose recouvre la pomme, on la jette aussi. Alors nous allons sans doute comme ça nous priver de beaucoup de pommes qui en vérité étaient bonnes. Mais dans tous les cas, nous sommes au moins certains de ne pas avoir la moindre pomme pourrie dans notre panier. Autrement dit, nous sommes certains d'avoir des vérités totalement indubitables. Or, il est évident que nos opinions politiques, religieuses, nos valeurs, nos goûts, etc. ne sont pas des vérités indubitables. Qu'en est-il par contre de la perception? En effet, notre connaissance provient d'elle. Et sur ce point, Descartes remarque qu'elle est tout de même
certes parfois trompeuse, mais généralement source de vérité. Seulement, nous venons de le dire, nous sommes parfois victimes d'erreurs, d'illusions, d'hallucinations, même si cela reste rare. En tant que tel, la perception n'est donc pas une bonne pomme. Descartes va même généraliser cet argument, car nous sommes régulièrement prisonniers d'une illusion bien plus globale, le rêve. Lorsque je rêve, ce n'est pas simplement telle ou telle chose qui peut être une illusion, mais l'ensemble de ce que je perçois. Alors, on nous dira sans doute que, parfois, quand nous rêvons, nous nous rendons compte que nous rêvons, que les rêves ne sont pas aussi cohérents, pas aussi consistants que la réalité. Descartes l'admet. Mais il remarque qu'il nous arrive quand même parfois d'être piégés dans notre rêve, sans quoi on ne fera jamais de cauchemar. C'est seulement lorsque nous nous réveillons que nous nous rendons compte que, ouf, ce n'était qu'un rêve. Cela nous permet donc de savoir que nous sommes éveillés lorsque nous sommes éveillés, tout le problème étant que nous croyons également que nous sommes éveillés lorsque nous rêvons. De sorte qu'il est bien difficile de démontrer à quelqu'un qui me demanderait par exemple s'il n'est pas en train de rêver, que, en effet, il n'est pas en train de rêver. Il y a ainsi un point commun entre différents états que l'on peut nommer anormaux. Ce sont par exemple ceux de la petite enfance, de la folie, de l'ivresse, du rêve, de la bêtise. Qu'y a-t-il de commun entre tous ces états? Le fait que la personne ne se rend pas alors compte qu'elle n'a pas la lucidité suffisante pour prendre conscience du caractère déraisonnable de son propre état. Ainsi, même après bien des réflexions, un fou dira qu'il va très bien et qu'il est lucide. Un enfant en bas âge jugera qu'il est assez grand pour traverser tout seul le parking. Une personne totalement ivre considérera qu'elle est capable de conduire et de rentrer chez elle. Un imbécile trouvera que ce qu'il dit est plein de bon sens et très intelligent. Une personne endormie jugera qu'elle est bien, bel et bien éveillée. Et c'est d'ailleurs parfois possible dans un rêve de se demander si l'on est en train de rêver et d'aboutir à la conclusion que non. Aussi curieux que cela paraisse, il faut donc se méfier de notre raison, car dans ces états où elle déraisonne, nous ne nous rendons généralement pas compte qu'elle déraisonne. Un dernier argument va être avancé par Descartes qui nous pousse presque aux portes de la folie. C'est celui qu'on appelle le malin génie, ou le mauvais génie, genius malignum dans le texte en latin. Accrochons-nous. Descartes envisage en effet l'existence d'une créature si méchante, malin veut dire méchant en vieux français, et si puissante qu'elle m'emprisonnerait continuellement dans une illusion et me ferait croire que je suis par exemple en ce moment même en train de vous parler à un micro. En réalité, tout ce que l'on appelle le monde matériel n'existerait pas. Il est peut-être même possible que deux et deux ne fassent pas véritablement quatre. C'est le malin génie qui trompe ma raison et qui me fait croire cela. Avouons que cela est peut-être possible, car je ne vois pas comment on pourrait démontrer que le malin génie n'existe pas, mais que c'est tout de même assez gros et assez peu plausible. Ceci dit, toutes les nuits, mon cerveau me trompe en me faisant rêver. Donc, si un tout petit morceau de matière comme mon cerveau peut le faire, peut-être qu'une créature très puissante est également capable de m'emprisonner toute ma vie durant dans une illusion. Cette possibilité, même si elle est infime, doit donc être prise en compte. Ce que je peux percevoir grâce à mes cinq sens, tout ce que peut m'apprendre ma raison, est peut-être une sorte de piège d'illusion. Il est donc possible que je n'ai peut-être même pas réellement de corps ou un corps totalement différent de ce que je crois être le mien et que le malin génie me fasse croire que je possède un corps, je suis en train de vous parler à un micro et deux font quatre. On imagine mal les raisons qui pourraient motiver ce malin génie, mais disons simplement que ça le fait beaucoup rire. Après tout, vous avez remarqué comme moi que les humours sont très différents. L'humour d'un adulte n'est pas l'humour d'un enfant de 3 ans. L'humour d'un chinois n'est pas l'humour d'un norvégien. Eh bien, partons du principe que la race des malins génies est une race mauvaise et que leur humour est très, très discutable. Descartes n'en reste pas là. Rira bien qui rira le dernier, monsieur le génie. En effet, alors que tout espoir de retrouver la réalité et la vérité semble perdu, et que nous en sommes à une position que l'on pourrait appeler sceptique, Descartes opère un retournement de situation spectaculaire. En effet, de deux choses l'une. Soit aucun malin génie n'existe, et comme personne n'est là pour me tromper, j'ai bien raison de penser que moi, j'existe. Soit cette maudite créature, à l'humour pitoyable, existe, et passe son temps à me tromper. Mais pour que cette créature me trompe, il faut bien que j'existe, sans quoi elle ne trompe personne.
Il y a donc bien quelque chose d'absolument certain, ma propre existence. Car même si je suis en train de rêver, cela veut bien dire que j'existe et que je suis le rêveur. C'est ce sens du célèbre cogito, « je pense donc je suis », selon la formule du discours de la méthode. « Je pense donc je suis », cela est évident, me direz-vous, mais c'est justement parce que c'est évident, que c'est désolant de simplicité, que c'est malin et génial, de la part de Descartes cette fois. Nous aboutissons ainsi à une situation que l'on appelle le solipsisme. Ce mot, un peu barbare, vient du mot « seul », puisque je suis certain d'exister, d'avoir un esprit, mais c'est tout. Peut-être que vous, vous n'existez pas, peut-être que mon corps n'existe pas. Je suis donc tout seul dans la certitude de ma propre existence. Cette question du solipsisme sera reprise par plein d'autres penseurs. Leibniz, Berkeley, Fichte, Husserl, etc. Remarquons simplement à ce sujet que Descartes va montrer dans ses méditations quelque chose d'important. C'est qu'il n'y a qu'une seule solution pour briser ce solipsisme. Autrement dit, il n'y a qu'une seule solution, en tout cas connue à ce jour, et je serais très heureux que vous en trouviez une autre, afin de montrer que « je pense donc je suis, mais je ne suis pas le seul à exister, le monde que je perçois et les gens auxquels je parle existent également ». La seule solution connue, c'est de prouver que Dieu existe. Pourquoi ? Parce que si Dieu, entendons un être absolument parfait, puisque telle est sa définition, existe, il ne peut pas avoir voulu que le malin génie lui aussi existe. C'est incompatible. En effet, étant parfait, il est infiniment bon et infiniment puissant. S'il laisse le malin génie me tromper sans me donner la moindre possibilité de sortir de ce piège, il en est le complice, et il n'est pas infiniment bon. Ou alors, c'est qu'il ne pouvait pas faire mieux, donc il n'est pas infiniment puissant. Si Dieu existe, le malin génie n'existe donc pas. Toute la difficulté est de prouver l'existence de Dieu, et d'aboutir donc à un raisonnement tel que « je pense, donc je suis, or... » Donc Dieu existe, donc le malin génie ne peut pas exister, donc j'ai bien raison de penser que je suis réellement en train de vous parler. La difficulté, c'est évidemment le qui est une démonstration de l'existence de Dieu qui a été assez lourdement critiquée chez Descartes. C'est ce que l'on nomme la preuve ontologique de l'existence de Dieu, qui consiste à montrer qu'il y a une contradiction à dire que l'on conçoit l'idée d'un être absolument parfait, mais que celui-ci n'existe peut-être pas. Car on ôte alors à cet être la moindre des qualités, des perfections, l'existence. Autrement dit, lorsque l'on dit « Dieu, je vois bien de quoi tu parles, un être absolument parfait, mais je ne crois pas que ça existe », on se contredit, car on retire à un être dont on est capable de concevoir l'essence, la moindre des perfections qu'est l'existence. L'ambition de Descartes sera de montrer que ce sont deux choses très différentes de dire « je ne crois pas aux licornes et je ne crois pas à Dieu ». Car dans le cas de la licorne, on peut en effet imaginer un être totalement imaginaire et ne pas lui prêter l'existence. Dans le cas de Dieu, c'est incompatible. On dit généralement que l'on sait que le monde que l'on voit existe, mais que l'on peut croire ou ne pas croire en Dieu. Ce que dit Descartes, c'est que tout au contraire, tout comme il y a une foi religieuse, il y a une foi perceptive. Si vous ne pouvez pas prouver que Dieu existe, vous ne pouvez pas non plus être certain que le monde que vous percevez existe. Autrement dit, nous ne savons pas si le monde existe ou non, nous croyons tous naturellement en son existence, ce qui est très différent. Cette philosophie est donc assez déstabilisante, et n'oublions pas qu'il s'agit bien sûr seulement ici d'une méditation métaphysique, c'est-à-dire d'un jeu de l'esprit qui a pour but de nous étonner, mais qui n'a pas de conséquences concrètes dans la vie. Autrement dit, si un camion vous fonce dessus, ne commencez pas à vous demander si ce n'est pas là l'illusion produite par un méchant génie. Poussez-vous, c'est plus prudent. C'était Chouette de la philo, un rendez-vous mensuel proposé par Sylvain Portier, avec les voix d'Aline Portier et de Sylvain Portier. Montage Pascal Massiot. Production Jet FM. En podcast sur le site de Jet FM à l'onglet Chouette de la philo. Prochaine chronique lundi 2 décembre à 18h45 avec Kant. À bientôt.